Donc, bonjour Madame Montenot, vous êtes Et... présidente du Conseil de la vie sociale de la résidence. Est-ce que vous vous souvenez depuis quand? Bien, depuis que je suis arrivée, D'accord. ça fait 3 heures, 3 heures et demie. 3 ans et demi, c'est ça. Très bien. Et vous avez eu une idée, il y a de ça environ 8 mois, vous m'avez parlé, à la sortie du CVS, d'une idée que vous aviez depuis longtemps. Alors c'était quoi? Eh bien, c'était d'un rêve d'un hélicoptère. Voilà, Voilà. c'est ça. Vous aviez envie de voler parce que vous n'aviez jamais volé. Non, jamais. Bon. Oui. Et comment ça s'est déroulé alors? Eh bien, je suis arrivée, enfin, j'ai pris le minibus, De la et puis résidence. alors on est arrivé Irini. à Irigny. C'est ça. Irénée, et puis là, j'étais avec une infirmière, et Sylvie, Et Sylvie, l'animatrice. l'animatrice, et j'ai descendu, et puis l'hélicoptère est arrivé, mais il a fallu que je marche un peu, Bien sûr. dans les herbes C'est surtout, ça, oui. oui, et puis on a pris l'hélicoptère, il y avait un chapiteau, et puis on a monté tout doucement, puis on a plané. Voilà. Voilà, et j'étais vraiment contente, heureuse, parce que j'aurais pas pensé que ça soit comme ça. Bon. Oui. Donc à la suite de votre idée, nous les directeurs des résidences de la Loire et d'Auvergne, on a créé une association pour vous faire faire ce rêve. Mais on s'est dit, finalement, il n'y a pas que Madame Montenot qui a Oui, des rêves. sûrement. Et voilà. Et donc on a fait différentes réalisations. On a Oui. fait faire un tour en Porsche Ah à un bon? monsieur de Balbigny, de l'Orpea Balbigny. On a fait monter à cheval un résident qui n'était jamais monté à cheval Non. et qui pourtant était en fauteuil roulant. Oui. On a su Oui. trouver des solutions pour lui le faire monter à cheval. Et puis on a d'autres rêves qui sont en cours, des rêves tout simples. On a Oui. monsieur et madame Giroux qui sont là, Ah qui oui. souhaiteraient manger un bon aioli comme ils mangeaient avant quand ils étaient à Marseille. Ah bon. Voilà, on va se débrouiller. Eh ben oui. Et puis on va aussi faire le vol en avion cette fois-ci d'une résidente qui voudrait, elle, piloter complètement l'avion. Ah oui. Alors ça va être en septembre ou début octobre. Ah ben c'est bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir eu cette très bonne idée. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et on se nourrit de votre sourire. Eh bien, nous, moi, j'étais enchantée. Enchantée. Je le garderai toujours dans ma mémoire. C'est très gentil à vous. Je vous Avec embrasse. merci.